discute de ces nouvelles cibles avec la ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fréchette. Bonjour, Madame la ministre. Oui, bonjour, Esther. Le ministre Mark Miller a dit mercredi que vous avez été consulté sur les nouvelles cibles fédérales, mais vous, de votre côté, vous avez précisé que c'était des consultations administratives, pas politiques. Je vous demande d'abord, quel genre d'échange vous avez eu avec votre homologue fédéral? Alors effectivement, sur le plan administratif, il y a eu des échanges autour de différents scénarios qui étaient mis de l'avant par le fédéral. De mon côté, lors de ma rencontre avec le ministre Miller, j'ai exprimé mon point de vue d'emblée sur les seuils proposés, envisagés par le gouvernement canadien, mais ça ne s'est pas fait dans le cadre d'un processus formel de consultation. Et d'autre part, le gouvernement fédéral, normalement, doit tenir compte de la planification stratégique de l'immigration du gouvernement du Québec avant de s'avancer sur ses propres seuils. Or, le fédéral a présenté ses seuils le même jour que le Québec. Ouais. Alors, voilà. Normalement, cette séquence doit être étalée dans le temps. Parlons-en justement de ces cibles fédérales. Ça reste à 500 000 par année en 2025, mais ça se stabilise en 2026. Quelle est votre réaction à vous face à ces chiffres? Pour nous, c'est beaucoup trop. Pourquoi c'est trop? Parce qu'en fait, il faudrait que le poids du Québec à l'intérieur du Canada se maintienne dans le temps. Et ça voudrait dire, avec 500 000 personnes immigrantes qui arriveront annuellement au Canada, que le Québec devrait en accueillir 110 000 pour garder son poids, là, qui constitue en fait à peu près 22 % de la population au sein du Canada. C'est beaucoup trop. Il n'y a pas une formation politique à l'Assemblée nationale qui demande d'aller aussi loin en termes d'accueil de personnes immigrantes. Nous, ce que l'on évalue comme capacité d'accueil, c'est d'avoir environ 56 000 personnes qui viennent de manière permanente s'établir au Québec. Donc, on est dans deux scénarios complètement distincts et nous, on demande en fait au fédéral de réviser à la baisse ses objectifs en matière d'immigration permanente, question de permettre au Québec de préserver son poids démographique à l'intérieur du Canada et question aussi d'amener le fédéral à évaluer, à analyser, à tenir compte de la capacité d'accueil. Et dans cette capacité d'accueil, il y a plusieurs notions. C'est sûr que par les temps qui courent, je vous dirais que la notion de l'habitation qui est disponible est assez centrale parce que c'est certainement la dimension pour laquelle la capacité d'accueil est la plus serrée, mais il y a d'autres éléments également qui sont à prendre en considération. Pour ce qui est de vos cibles à vous au Québec, c'est donc 50 000 nouveaux arrivants pour les deux prochaines années. Mais si on ajoute les étudiants étrangers et des gens d'affaires, on parle plutôt de 60 000. À quel nombre vous arrivez de votre côté? Alors, de notre côté, on a dans notre plan pour l'année 2024 et 2025, parce qu'on s'est projeté sur deux années seulement, tellement le contexte est mouvant et changeant, et changeant rapidement. Alors, on parle donc de 50 000 admissions annuelles régulières pour l'immigration permanente, associées également à une approche en continu des diplômés qui auront eu un diplôme dans un établissement d'enseignement québécois à travers un programme d'études en français et qui voudront demeurer à titre de résident permanent. Donc, ça, c'est une catégorie qu'on a mis un peu à part parce que c'est en quelque sorte une immigration idéale. Parce que ce sont des gens qui étudient au Québec, qui ont été diplômés donc au Québec, qui habitent déjà le Québec parce qu'ils ont étudié ici. Ils parlent français puisqu'ils ont étudié dans un programme en français. Ils ont déjà un espace d'habitation. Alors, ça fait en sorte que pour nous, il n'y a pas une capacité d'accueil qui est sollicitée avec cette immigration qui est composée d'étudiants étrangers. Alors, c'est pour ça pourquoi on l'a mis en dehors de la cible du 50 000 et on en accueillera autant qu'il y aura de candidats qui répondront aux exigences de ce programme. Alors, c'est une façon novatrice, je vous dirais, d'approcher la question. Ouais. Reste que les gens d'affaires au Québec sont déçus parce qu'ils disent que c'est pas assez pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que vous en avez tenu compte pour établir vos cibles? On tient compte effectivement des besoins du marché du travail, mais en ayant aussi à l'esprit que l'immigration n'est pas la seule solution aux enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Et à notre avis, en fait, les étudiants diplômés qui arriveront donc probablement en plus grand nombre du fait de l'approche que l'on a prise en continu vont permettre à des employeurs d'embaucher des jeunes diplômés en plus grand nombre.
Et puisqu'ils sont en dehors des seuils officiels du 50 000, ces étudiants étrangers, eh bien, ça laisse plus de place pour de la main-d'œuvre qualifiée. Et ça, c'est tout à l'avantage des entreprises et des employeurs au Québec, parce qu'il y aura maintenant plus de place pour sélectionner des travailleurs qualifiés dans le cadre de notre immigration permanente. Et un autre des aspects pour lequel on a considéré les demandes des employeurs, des entreprises, c'est quant à la forme qu'on aura d'aller sélectionner des travailleurs. Avec notre nouveau programme de travailleurs qualifiés, qui va être en vigueur à partir de novembre 2024, on va être beaucoup plus en concordance avec les besoins du marché du travail. On va être beaucoup plus agile. Donc ça, je pense que c'est un grand plus pour l'ensemble de la communauté d'affaires. Et on voudra bien sûr aussi faire en sorte de régionaliser encore davantage l'immigration parce qu'il faut aider nos entreprises, particulièrement les PME, dans l'ensemble des régions du Québec, mais sans quitter des yeux également la notion de capacité d'accueil parce que là encore, en région, les enjeux, particulièrement ceux entourant l'habitation, sont de grande importance et il faut en tenir compte. Vous imposez aussi de nouvelles mesures de connaissance du français à certains immigrants temporaires. Le Parti québécois a réagi à ça et juge que vos exigences sont pas assez élevées, que ça va pas finalement renverser le déclin du français au Québec. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, d'une part, pour renverser le déclin du français au Québec, il y a une multitude d'initiatives qui sont à mettre en place. L'immigration fait partie des secteurs qui sont à mettre à contribution et c'est ce à quoi on s'est attelé vraiment depuis des mois pour faire en sorte d'accueillir davantage d'immigrants francophones et également de franciser davantage les personnes immigrantes qui sont établies au Québec. Alors, on a annoncé que pour les travailleurs étrangers temporaires, il y aura une exigence de connaissance du français pour les travailleurs temporaires lorsque cela fera plus de 3 ans qu'ils sont au Québec pour des raisons de travail et qu'ils souhaitent renouveler leur permis. Alors, ce qui est exigé, c'est une connaissance à l'oral de niveau 4. Il faut voir qu'il y a 12 paliers en tout sur l'échelle de connaissance du français. Le niveau 4, ça correspond à la fin du palier de débutant. Donc, quand j'entends le député Pascal Bérubé du Parti québécois dire que c'est largement insuffisant comme niveau de connaissance et qu'il s'agit d'être en mesure de pouvoir se commander une bière en français pour pouvoir cadrer avec le niveau 4, eh bien, je trouve ça franchement insultant. Insultant pour les personnes immigrantes, insultant pour les professeurs de français également qui travaillent vraiment intensément à apprendre la langue française, qui, on le sait, n'est pas simple. Et les évaluations au sein du ministère sont à l'effet que pour parvenir à atteindre le niveau 4 à l'oral, pour quelqu'un qui s'y met à raison de 6 heures par semaine, ça va lui prendre 2 ans avant d'atteindre le niveau 4 à l'oral. Alors, nous, on donne une période de 3 ans pour l'apprendre aux travailleurs étrangers temporaires qui voudront rester au Québec pour plus longtemps que 3 années. Lorsque viendra le temps de renouveler leur permis, il faudra qu'ils nous fassent la démonstration qu'ils ont atteint ce niveau. Et on va également engager les employeurs dans des mesures de francisation pour faire en sorte que le français puisse être appris notamment sur les lieux de travail. Et on enjoint également le gouvernement canadien à reprendre cette approche, à adopter cette approche pour le programme d'immigration temporaire qu'il contrôle, à savoir le PMI, le programme mobilité internationale. Et j'ai bien hâte de voir si le gouvernement va donner suite à notre demande. On va suivre la réaction d'Ottawa. Christine Fréchette, ministre de l'Immigration au Québec, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne journée.